Voici le guide d'un petit déjeuner santé pour régulariser votre poids et surtout avoir une bonne santé sur le long terme. Donc le principe de base, c'est d'avoir un tiers de votre poids en grammes de protéines au petit déjeuner. Vous pouvez choisir parmi des œufs filière oméga 3, des petits poissons gras, du houmous, des produits laitiers entiers comme de la feta, du yaourt, des beurres d'oléagineux, des noix, des amandes, du bon gras comme de l'huile d'olive, de colza et du beurre. Vous associez avec ça une abondance de légumes, de crudités, de préférence de saison, pour avoir des fibres, des vitamines, des antioxydants, des fruits rouges congelés en hiver bien sûr, et puis vous pouvez rajouter des flocons d'avoine, des lentilles, du quinoa, des patates douces, du pain, levain et poudre, ce qui vous apportera de l'énergie. Donc le principe important, c'est beaucoup de protéines, peu de glucides. Essayez de vous y approcher pour une santé idéale. Voici le guide d'un petit déjeuner santé pour régulariser votre poids et surtout avoir une bonne santé sur le long terme. Donc le principe de base, c'est d'avoir un tiers de votre poids en grammes de protéines au petit déjeuner. Vous pouvez choisir parmi des œufs filière oméga 3, des petits poissons gras, du houmous, des produits laitiers entiers comme de la feta, du yaourt, des beurres d'oléagineux, des noix, des amandes, du bon gras comme de l'huile d'olive, de colza et du beurre. Vous associez avec ça une abondance de légumes, de crudités, de préférence de saison, pour avoir des fibres, des vitamines, des antioxydants, des fruits rouges congelés en hiver bien sûr, et puis vous pouvez rajouter des flocons d'avoine, des lentilles, du quinoa, des patates douces, du pain, levain et poudre, ce qui vous apportera de l'énergie. Donc le principe important, c'est beaucoup de protéines, peu de glucides. Essayez de vous y approcher pour une santé idéale.